Bonjour et bienvenue à Do It Yourself Inspiration. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce collier choker à du cou. Vous pouvez évidemment aussi vous en servir comme bracelet ou bracelet de cheville. C'est super simple à faire et ça va aussi très vite. Pour cela, vous aurez besoin d'une ligne de pêche, noire de préférence, ou bien de la couleur que vous souhaitez. J'ai pris une taille moyenne de 0,6 mm, mais il existe aussi différentes forces et donc différentes épaisseurs pour faire attention à ça quand vous l'achetez. Vous aurez ensuite besoin de ciseaux pour couper et d'un briquet pour souder à la fin ici. Et si possible, une petite perle pour faire glisser les deux bouts de la ligne qu'on va souder ensuite l'autre côté. Si vous n'en avez pas, ça marche aussi avec un simple nœud. Pour souder, si vous n'êtes pas sûr de vous, le mieux c'est de demander l'aide d'un adulte pour ne pas vous brûler. Et ensuite, vous aurez aussi besoin d'objets lourds sous lesquels vous pouvez coincer le fil ou d'une gentille personne pour vous le tenir. Ou bien, comme ici, ce genre de pince que vous pouvez accrocher à un livre avec une couverture rigide ou un cahier. C'est ce que je vais faire maintenant et ça fonctionne très bien. Pour le collier, vous pouvez commencer par prendre entre 1 m et 1,50 m selon si vous voulez faire un bracelet ou un collier et selon si vous voulez le porter serré ou plutôt large. Il vaut mieux prendre un peu trop de fil plutôt que trop peu, que vous ne puissiez pas le porter, qu'il ne vous aille pas. Ensuite, vous le pliez en deux. Voilà, comme ça vous avez deux parties de la même longueur. Et ici c'est le milieu que vous pincez pour pouvoir le marquer. Et vous pouvez le coincer sous quelque chose ou demander à quelqu'un de le tenir fermement. Vous pouvez aussi le scotcher à la table. Et moi je l'accroche ici. Voilà. Ici j'ai deux ficelles de la même taille. Et je vais maintenant commencer. Vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez le fil de gauche, celui-ci. Vous le faites passer par-dessus le droit, puis par-dessous. Voilà, donc au-dessus, en dessous. Ensuite, on tire un peu. Et vous avez la première boucle. Ensuite, avec le fil de droite, par au-dessus du gauche et en dessous. On tire légèrement et vous avez la deuxième boucle. Ensuite, de nouveau avec la gauche, par au-dessus, par en dessous et on serre. Troisième boucle. Je vous montre encore deux fois. Maintenant, on reprend le fil de droite, par au-dessus, par en dessous. Et on serre. Et de nouveau avec la gauche. Par au-dessus, par en dessous. Et on serre. Vous devez bien faire attention à changer de direction à chaque fois. Donc alterner les fils. Et aussi à bien tirer de la même force à chaque fois. Pour que ce soit régulier. Très vite, vous voyez se dessiner ce modèle très classe et je vous montre maintenant comment terminer votre collier. Voilà, vous pouvez le voir, j'ai déjà fait quelques dizaines de centimètres. Je vais maintenant le fermer. Au préalable, essayez d'abord si la longueur convient à votre cou, votre poignet, votre cheville. Et si vous voyez les deux bouts qui partent normalement, je prends maintenant le début de mon collier. Je fais passer un des bouts dans la boucle et je tire ici jusqu'à ce que ça forme un cercle. Et ensuite, je serre. Voilà. Puis, je fais glisser la perle que j'ai ici sur les deux fils.
Voilà, ça passe parfaitement. On peut aussi prendre une perle de couleur. Ici, j'en ai pris une argentée. Je tire les fils jusqu'au bout. Voilà. Je tiens bien ça ici au bout. Je coupe les deux bouts. Et je les fais fondre. Je maintiens les fils à l'aide d'une paire de ciseaux. C'est une bonne astuce. Parce que les ciseaux sont résistants à la chaleur. Et vous voyez ici que les extrémités sont fondues. Et la perle ne peut plus sortir. Voilà, le tout est maintenant bien fixé. Voilà à quoi ça ressemble à la fin. Et voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce en l'air. Si vous avez envie de découvrir encore plus d'idées de do-it-yourself, n'hésitez pas à venir visiter notre chaîne et à vous inscrire si ça vous intéresse. Ça nous fait bien sûr toujours plaisir. Et surtout, à bientôt pour une nouvelle vidéo de do-it-yourself inspiration.